veux nous parler de la sortie de 5A ou pas? Ah, cette fameuse sortie. Au départ, tout se passait bien. Oui. Ouais. Bah, je galère en marche arrière, ça c'est ouais. Bien. Ouais. Mais un mec nous a aidés. Ouais. Ouais. Avant qu'il nous aide. Quelqu'un a fait un petit peu. Ouais. À 8h du matin. Elle était pas fraîche, c'est bon. Quand on dit quelqu'un, on ne veut pas donner de nom parce qu'on n'est pas des balances. Et voilà. Ouais. Vraiment pour mettre dans le bon sens. C'est ça. C'est ce que je voyais quand on pousse le bateau, quand je vois où est-ce que tu l'avais lâché, quand je vois où est-ce qu'il l'a lâché pour m'amener et pour me remettre bien. Bah, c'est surtout pour après pouvoir remonter sur le bateau. Ouais. Sans faire de coups. Ouais. Je donne pas de nom. Et donc après, on est parti. On avait prévu de partir sur Bréa. De base, oui. Ouais. Il y avait 37 000. Mais le vent a complètement changé. Au lieu d'avoir un vent d'est, on a pris un vent du sud. Ouais, sud-est. Du coup, ouais, sud-ouest, ouais, sud-est, sud-ouest. Ouais, c'était pas ouf. Ouais. On a pu sortir un peu de grand voile quand même. Mais on a gardé le moteur ok, ouais, en sécu pour être sûr. Et on a changé de cap. Ouais, du coup on a changé de cap, on est parti à Saint-Quay-Portrieux. Donc dans le golfe, dans la baie de Saint-Brieuc quoi. En fait ici il fait vachement beau et dans la baie il fait vachement beau depuis plusieurs jours. Par contre on peut pas aller au-dessus quoi. Parce que au-dessus il y a des restes d'un ça, bah, du coup au-dessus c'est galère, donc on a passé une petite semaine ici, on a fait quelques petits trucs sur le bateau, on a changé la drisse, la GV, les coupes du génois, j'ai réparé le winch, j'étais content. Ah ouais, mais j'étais content parce que j'ai vu comment ça marche. Ouais, voilà. Faut juste s'intéresser au truc à part. Bah, ça fonctionne. En fait, il y a s'intéresser. Puis aussi, tu sais, quand tu. C'est pas des petits bonhommes qui peuvent aller. Non, les Ewok. Oh, tu connais le nom? Bah, c'est ma famille. À chaque fois qu'on regardait ça, je comment tu crois qu'ils sont fait les plaids? Tu crois qu'ils ont fait quelle matière? Les ils ont fait un petit truc poilu. Du coup, on a une petite semaine ici. On a fait le petit marché là, c'était sympa. On s'est promené, il y a vraiment des beaux coins sur les hauteurs là-bas. Là. Ouais. Au niveau du sémaphore et tout, il y a une petite balade à faire plutôt sympa. Ouais. Bon, bah, par contre, il y a un moment où le passage est interdit. Ouais, c'est trop dangereux. Ils disent que c'est trop dangereux, mais il y a un endroit où nous on est passé où je pense que c'était beaucoup plus dangereux que leur passage. Du coup, on a trouvé un mec qui peut nous faire à partir de lundi. On devait partir dimanche et en fait, on a trouvé un mec à partir de lundi qui va venir faire deux jours avec nous. Et pour avancer bien, peut-être un peu de traversée nocturne et tout. Et du coup, ça nous enchante pendant deux jours. Ça nous enchante de quelqu'un. Oui. Voilà. Et c'est la traversée des vies qui t'enchante pas. Oui. Moi, il y aura quelqu'un. Je sais pas. Bah ouais, mais il y a moi, il va falloir qu'il dorme lui aussi. Bah il dormira. Quand il fera jour. Et non mais il a l'air sympa, c'est Kylian, bah, et on vous en dira un peu plus quand il sera là, il a l'air cool. Et puis il nous fait un petit tarif sympa. Ouais, c'est un petit tarif sympa. Et puis on a des nouvelles de Nathan qui apparemment est vraiment vraiment chaud pour qu'on le dépose quelque part. Ouais. Donc on verra comment ça se goupille. Et puis voilà, du coup on a encore une petite journée demain où on va bricoler quelques petits trucs et puis se préparer pour le départ tranquille et normalement lundi matin départ peut-être 6h. Ouais, normalement. Mais on en profitera demain, on étudiera bien les cartes et puis on verra bien quelle heure on part. De toute façon on verra ça aussi avec Kylian. Ouais. Donc on est samedi, qu'est-ce qu'on fait le samedi soir quand on est On dort. C'est la fête normalement.
C'est vrai que c'est quand même, c'est différent le monde. De... Dans tous les ports où on va, il n'y a pas de, à part le Cunningham qui est resté ouvert assez tard, mais ça devait être un peu mais genre c'est une heure, pas... tu vois, peut-être. C'est pas pareil que les autres bars. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bars de marins ou de trucs et comme ça reste pas ouvert. Bah non, de toute façon, il faut qu'ils aillent dormir après. Non, Surtout des vieux, quoi. Beaucoup de vieux en fait. Ouais, c'est vrai. Hein. On voit toujours des vieux. Ouais. Mais c'est sympa aussi. Bah, ils aiment bien les bars, les vieux. De toute façon, ils ils aiment bien discuter. Et puis... Ouais, puis parler de bateau et tout ça. Là, t'as vu, ce matin, on a croisé des vieux qui allaient à la pêche encore et tout. Ouais. Dès que tu mets un brin de soleil, c'est con là, ils vont faire des courses. Bah là, ça change. Là, en tout cas, c'est une belle journée à profiter. Grave. Alors, il fait pas. Pas 25 degrés, mais un petit 20, je dirais. Je pense qu'il fait 20. Bah ouais, il fait bon au soleil. Un petit 20 degrés. Ouais, le soleil, il fait bon. Le problème est là. Ouais, c'est que quand il est plus là. Il fait froid. Ça fait un peu frais. Un peu frais. Et puis, bah, sinon, tout va bien. On a profité de cette semaine pour se reposer parce qu'on avait besoin. Lundi, la journée était quand même. C'était un peu éprouvant. Ouais, 8 heures de navigation. Ouais, 8 heures, c'était un peu éprouvant. C'était la. Combien de navigations qu'on faisait? La troisième. Troisième navigation, tu fais 8 heures, t'es rincé quoi. Du coup, on n'a pas fait 37 000 comme on avançait pas, on en a fait que 28, je crois. 28 000, je crois. Ouais. Putain, 10 000 en plus, ça aurait juste fait 3 heures. Bah ouais. Non, on aurait été à 11 heures. 11 heures de navigation, non. Ouais, bah oui, parce que du coup, on avançait déjà, pas comme il fallait. T'es mort. Tu voulais Qui ça? Toi. Ah bah ouais. Ah, ouais, on est mort. Bah ouais, parce qu'en vrai, sur 8 heures, il faudrait limite même que quelqu'un puisse qu'il y ait des gens qui puissent rester tout seul. Surtout qu'il n'y avait pas de vent aussi, du coup on ne pouvait pas avancer plus vite. Ouais. Non, le vent nous emmerdait. Enfin, il n'y avait pas comme. Bah à un moment ça allait plutôt bien parce que pendant quelques heures on avait la GE. Pendant au moins, je pense, des 3 heures peut-être la GV. Ouais. 3 heures ou 4 heures peut-être de GV. Mais à un moment ça s'est coupé net. Ah ouais, grave. À un moment, on l'a pris, on a pris 17 nœuds dans le pif et du coup le bateau il avançait plus. Hein. De toute façon, avec la GV, il avançait pas. Donc il a fallu qu'on affale et puis qu'on l'arrange du coup. Ouais. Et puis on s'est repassé au moteur. Et le port de 5A, franchement, de 5A Portrieux, hein, pour l'instant c'est le mieux de ceux que j'ai vu. Ouais. Moi, celui que je préfère. T'appelles les mecs à la VHF dès que t'es dans le port, ils viennent te chercher en Zodiac, ils te mettent un petit coup de Zodiac au cas où ton bateau machin, tac, ils viennent avec le courant, ouais. C'est sympa. Il y a un mec qui t'attend sur le catway pour prendre tes amarres là. On est bien accueillis. En plus on est vraiment hyper protégé. Déjà la baie de Saint-Brieuc elle est vraiment protégée et alors là on est le port dans la baie. On est vraiment dans... Même il y a eu du vent d'un début de semaine, il y a eu du zef quelques jours. Ouais, mais on l'entendait, mais ça bougeait pas. J'ai rien. C'était trop bien. J'ai pas une oreille. Il y a même une nuit. Ça change de Saint-Malo. Ouais, ça change. Il y a même une nuit, je croyais qu'on était sur Terre à un moment, tellement ça bougeait pas. Tellement ça bougeait pas, je pipi. J'ai dit, Alia, saute dans l'eau pour moi. On a dit qu'on n'en parlait pas. J'ai pas donné de nom, Alia. Du coup, voilà. Mais ouais, ça se passe bien. Et puis, on était contents. Moi, j'étais content de partir demain quand même. Même si je savais qu'il y avait une grosse journée de navigation. Mais écoute, du coup, comme on a quelqu'un qui vient demain, break. Ouais. Break. Et demain, on va boire une bolée avec lui. Donc, bon, en fait, on est resté ici un petit peu de temps parce qu'on avait besoin de souffler un petit peu. Mais sinon, il y a moins 3 jours, on aurait pu remonter sur Paimpol. Déjà, vu la navigation, comment c'était là, dans la baie de Saint-Brieuc, c'était parfait. Sur Paimpol, on aurait pu être bien. Mais bon, c'est qui dit Paimpol dit encore, il faut ça. Ouais, Écluse, machin, pas tant. Du coup, voilà, donc si on peut faire un petit perros et un petit Roscoff après. Oh là là, il y a un chien qui va arriver direct sur la caméra. Bon, on en profite pour faire des gros bisous à Chichi, à Chaud. Ouais, je vous fais des bisous, mes petites amours. Ouais.
pense à vous, souvent. À Judas aussi. Je pense souvent à Judas. À chaque fois qu'on voit un chien, on fait. Oui. Surtout un berger australien. Ouais.